cools down. Tadam. Bon, voilà mon campement. Alors, pour ceux qui diront, ouais, bon, c'est vrai que c'est très mal fait, mais au moins je peux avoir une vue sur les côtés. Alors, on est en été, donc pour le vent, alors c'est vrai, aujourd'hui il y a particulièrement du vent, mais bon, on va pas subir moins 40, donc... je vois déjà les gens qui me disent ouais, on aurait mieux fait, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. C'est ma première expérience bivouac où je fais un abri. Bon, voilà. Je me suis encore pas trop intéressé. Enfin, si j'ai vu des trucs, j'ai vu pas mal de choses, mais le mieux c'est de le faire soi-même. Enfin, de le faire. Et bon, du coup, il y a pas mal de choses. Et d'ailleurs, je reviens. On revient. On va dormir la nuit. Elle est pas bien là. Sans mais. Même pas des pieds. Alors c'est vrai, si maintenant il venait qu'à prévoir, ce qui serait vraiment bête de la météo, puisque ces derniers jours il a fait extrêmement chaud, et que le jour où je décide de partir, partir à l'aventure, puisque c'est une aventure qui est... franchement, je vous le conseille. Je vous le conseille. C'est... il n'y a rien d'autre à dire que c'est excellent. Il y a des progrès à faire sur la cabane, je suis d'accord. Mais... voilà. Je peux pas vous dire plus. Il y a des progrès à faire, mais... les gens qui me disent... qui vont me dire, parce que ça je le sais... ouais, machin... ils ont qu'à le faire eux, et puis... on en reparle, et puis s'ils font mieux moi, bah tant mieux pour eux. Moi je sais juste que je le fais parce que j'aime le faire, et puis je mets en pratique ce que je vous dis. D'une certaine manière, on ne peut pas me reprocher quoi que ce soit. J'essaye, je ne suis pas un expert, je ne suis jamais première fois à la survie. J'ai un idole, c'est Mike Horn, mais c'est pas que la survie. Oui, c'est aussi énormément de la vie, vraiment de la vie. Je suis venu en short, je repartirai pour toi. Voilà, comme ça, c'est fait. Bon, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah j'allume la télé. Hein. Il n'y a pas de télé. Heureusement d'ailleurs. Bon. Quasi efficacement à bois. Voilà, tout simplement un truc pour faire du feu sans... on allume la forêt quoi. Bon, je teste. Et puis on verra comment ça marche. Moi je vous dis, que c'est un bonheur, parfait. Allez, chill. Alors, on est là et on a fait notre petit, campement. Moi je suis super content, je suis super heureux. Vous n'imaginez pas le bonheur que c'est. Après par contre, il va faire nuit, et c'est aussi pour ça que je voulais le faire. Ça va être une autre partie de la chose, puisque déjà je suis seul. J'espère pas tomber sur un sanglier. Voilà, bon, j'ai quoi me défendre. Bon, même avec un sanglier, j'ai mon numéro Gobelix, mais quand ils viennent. Mais non, mais pour dire concrètement, il fera nuit et puis voilà. Mais j'en mets la caméra infrarouge, on sera encore plus comme suspense. Ouais, ça me fait rire, on peut dire que. Voilà. Alors je sais, la cabane est franchement pas enfin, je suis quand même à l'abri. J'ai déchiffré mon système de qualificateur là, qui a bien fumé en plus, bon, ça éloigne un peu le moustique, puisqu'il y a deux choses qui n'est pas bon dans mon campement, notamment je suis à côté de... Je montrerai sur un autre plan. Je suis à côté du plan d'eau. Le plan d'eau, c'est une mauvaise chose, puisque bon, déjà il y a un insecte moustique, et deuxièmement, bon, il y a les animaux qui vont sûrement se ressourcer. Alors on n'est pas dans la savane non plus, hein, où on croise des bisons, des loups, enfin, pas des loups, des lions, les jaguars, tout ça. Donc voilà, mais alors c'est vrai que moi, en fait, j'ai surtout peur. Un vient me charger du coin, en fait, un vient me dire ouais, vous n'avez rien à faire là, c'est surtout ça que j'ai peur, on va dire. Mais pour revenir à ce que je disais, donc, bon, je suis prêt à prendre l'eau et ça c'est pas recommandé. Après c'est du bivouac, c'est pas de la survie, mais ça en fait partie des choses. Hein. Passer un bon bivouac, c'est pas en se mettant en situation de survie, passer un bon bivouac. Donc voilà. Mais toutes ces choses, c'est... Voilà. Mais franchement, moi je suis vraiment super bien. Oh, j'ai rien pour la nuit, j'ai pas de sac de couchage, j'ai pas de matelas gonflable, j'ai juste un petit pull et un poncho pour passer la nuit. Donc j'allais dire, un poncho il sert pas à grand chose. Mais voilà. Mais franchement, faites-le, c'est la bombe. Alors par contre, sans blaguer, sans déconner, j'ai vu les deux bestioles. Bon là vous voyez pas, mais je me suis approché vers là-bas, ça a commencé à courir. C'était petit, c'était pas non, mais je ne sais pas ce que c'est. Donc voilà. Juste pour dire, donc ça peut foutre les boules, mais pour l'instant tout va bien, mais faut pas se mettre en sécurité, faut pas se mettre en danger inutilement, hein. Donc voilà, mais allumer un feu à la limite, ça éloignera des bestioles. simple. Tout simplement. Voilà ce que ça donne. Un petit campement de nuit. Alors on va checker pour ça. Alors, plus de batterie sur la caméra vision nocturne, parce que ça pompe beaucoup. Mais étant survivaliste, étant donné que j'aime l'autonomie, je sais comment faire pour avoir du courant même dans la nature. Et voilà, batterie de réserve, ce qui peut toujours servir. Wally Wabou. Donc on a ça à charger, donc on attend. Voilà. Oh là là là, une galère. Donc si je devais faire une espèce de... une espèce de compte rendu. L'expérience se passe bien. On a notre petit campement tout bien, tout flamme, je dirais, façon de parler. Et donc, ce que je voulais dire, c'est ce que je dis d'habitude, c'est qu'il faut un petit peu mettre en place ce genre de choses, c'est-à-dire dans votre vie, parce que tout simplement, c'est inhabituel. Donc, comme c'est inhabituel pour quelqu'un qui le fait voilà, rarement. Moi je vous dis maintenant, c'est la première fois que je le fais comme ça. Bon, là c'est vraiment la première fois qu'il fait cette petite cabane. Alors effectivement elle n'est pas voilà, mais franchement c'est juste nickel. Et moi je m'attendais à avoir énormément de moustiques, mais il n'y en a pas un quoi. Il n'y en a pas un. Et pourtant je suis à 2 euros. Et donc ce que je voulais dire, c'est que comme c'est l'habituel, vous allez développer sûrement quelque chose qui est un peu la peur, le stress, l'angoisse, parce que vous voyez rien, pourtant là. Mais voilà, je vous mens pas quoi, je suis vraiment. Je suis pas dans mon jardin, je suis pas je suis pas à la semi-balle. Donc mais en pratique, c'est bien parce que ça vous fait de l'expérience aussi dans votre façon de vous comporter avec un certain poids du sac, parce que là tout ce bordel, bah, ça pèse, hein. Je suis tout seul, hein. Personne qui m'aide pour transporter ma hausse. Ça vous fait aussi une connaissance avec la salle d'évacuation. Le repérage des poches, là où l'objet rentre mieux. Vous allez me dire que c'est très con, mais d'avoir un placement de poches, ça peut devenir être pas chiant, mais pratique et pas pratique. Donc là, les bâches, je les ai rangées dans la partie qui s'ouvre en deux. Donc le sac, j'ai gagné énormément de place. Bon, voilà, c'est une petite chose à faire, mais qui permet de connaître un petit peu le sac d'évacuation. C'est con, mais voilà. Et après, ben, ça vous fait aussi un peu, ça vous met le pied dans la nature, et puis vous apprenez. Moi j'ai appris à faire une cabane aujourd'hui. Je me suis servi de ma main, et puis voilà. Alors, c'est pas du tout ce que je voulais de base, enfin si, c'est ce que je voulais de base, mais quand j'ai commencé, j'ai carrément fait à l'envers. Donc peut-être que c'est la bonne solution à faire, peut-être pas, je sais pas. Mais enfin en tout cas, j'ai fait quelque chose et j'en suis très fier. Voilà. Maintenant, mon objectif, c'est clairement de dormir. Alors, dormir ici, je sais pas. Enfin, dormir, je sais pas, parce que j'ai pris un café qui est extrêmement fort, où je sens clairement mon cœur qui bat à gonfle. Donc, dormir, je sais pas, mais en tout cas, le but est d'arriver jusqu'au lever du soleil. À part s'il y a danger anciennement très dangereux. Enfin, je pense pas, enfin, je sais pas. Donc voilà, pour ça, quoi. Voilà. Bon, le feu s'est presque éteint, donc j'ai dû le rallumer en urgence. Un putain de sanglier. Alors là, il y avait deux petits, bon, exactement les mêmes hier, et ça bon, bah, putain c'est immense. Bon, les bâches, je vais aller chercher plus tard, en espérant que j'ai rien oublié. Je vais goûter un peu qu'à ce temps-ci, il sortirait c'est pas du fake, c'est pas du fake. Ouais, vous êtes parti très rapidement et vraiment dans la panique. Je retrouve plus ou moins sain et sauf mon contenant qui n'a pas été violent. Alors, juste pour expliquer exactement, les deux petits sangliers, vous voyez au chemin, le petit bout de chemin là, il y avait deux petits sangliers. Je les avais vus bon, la veille, hein, le soir, hein, bon, j'ai dit, voilà, j'ai vu quelque chose. J'étais pas sûr que c'était ça, parce que bon, les animaux, il y en a plein, voilà. Et en fait, quand je me suis approché, ils sont partis. Bon, là, j'y suis posé. Donc, ce matin, j'ai eu une observation, en fait, ils étaient seuls. Et donc, ce matin, j'ai entendu, je regarde par là, et j'ai pris l'appareil photo pour filmer. Et donc, je sais pas si ça se voit ce soir, j'ai pas le temps de faire les rushs, de voir les rushs. Et en fait, il y avait un des deux parents, mais un truc énorme, quoi. Un truc énorme. C'était aussi lourd que moi. Il devait faire au moins 150 kilos de bordel. Donc j'ai vu ça, et là, j'ai pas cherché à comprendre. Et donc je suis passé par là. Et donc derrière, la partie, vous verrez dans la vidéo. Donc, premièrement, déjà, bah, c'est quelque chose que bah, un sanglier, il m'aurait foncé dedans, je serais pas là en train de faire ma vidéo. Mine de rien, hein, j'ai eu le réflexe, alors peut-être me paniquer, de partir, de prendre le nécessaire, de laisser le campement. Voilà, là il est 10h, donc ça fait, il y a 5h j'étais là, et voilà, mais j'ai eu le réflexe de partir, de me dire, bon bah tant pis, je prends ce qu'il faut, tant pis pour les plans que je voulais faire. Donc ça c'est important aussi à se dire, c'est au moment où vous avez un doute, vous dites, parce que j'aurais pu dire, ouais, c'est bon, parce que ils n'avaient pas l'air agressifs, il n'y avait pas de quoi s'affoler, enfin... Il n'y avait pas un contenu chez eux agressif, mais le papa ou la maman était avec ses petits. Quand ils sont avec leurs petits, et que ça c'est pour tous les animaux, y compris les humains, voilà, quand il y a un face-à-face comme ça, il aurait été seul, peut-être qu'ils seraient partis, ils ne m'auraient pas regardé. Ils m'ont pas vu, j'ai essayé de faire un peu de bruit, ils m'ont pas regardé. Mais là, il était avec ses petits, donc... ça aurait été très moyen. Mais il n'y avait pas chez eux quelque chose d'agressif ou quoi que ce soit. Mais voilà, il était avec ses petits et ayant une connaissance un peu du truc, voilà, enfin, alors après, ça aurait pu très bien se passer. Mais voilà, donc ce qui fait un sanglier, c'est un sanglier. Voilà, à part Obélix qui arrive à les manger. À les chasser d'une manière assez hilarante d'ailleurs, mais voilà, donc c'est juste la situation aura tout dégénéré et ben j'ai paniqué quand même, j'ai paniqué, mais la prochaine fois peut-être je dirais bon, ils m'ont pas vu, prends mes affaires tranquillement, j'essaye de pas me blesser et je prends une direction à laquelle on ne peut pas, parce qu'il n'y aurait pas eu ce chemin, j'aurais tout bloqué. Il suffit qu'il m'aurait vu, il sera se rapprocher, j'aurais été un petit peu coincé. Donc le plus important, c'est qu'il n'y a pas eu de blessé, j'ai pas eu de problème, si ce n'est que voilà, j'ai une trouille, mais la trouille, la peur, c'est quelque chose, si vous la contrôlez, vous pouvez, si vous la gérez, la contrôler, c'est une bonne chose, parce que c'est quand vous avez peur qu'il y a quelque chose en vous qui s'éveille pour pouvoir vous maintenir en vie. C'est pas quand, bon, ça va foutre. Ouais, j'ai pas peur, moi je suis un bon oeuf. Ouais, non, la peur c'est pas immonde. Avoir une maturité, c'est d'accepter d'avoir peur et de savoir où sont nos limites. L'expérience a été très enrichissante pour moi et c'est le but. C'est pas de dire ouais, j'avais des sangliers, moi c'est un bof. Non, j'ai eu peur, parce que j'avoue. Mais la peur c'est bien dans le sens, elle vous fait mettre quelque chose. C'est la peur qui, c'est cette peur qui me dit, oh là j'ai peur de mourir, j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose, donc je vais faire des choses pour pas avoir, pour réguler ma peur. Donc voilà. Voilà les amis, donc je vous laisse et je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont, pour ceux qui peuvent en profiter. Moi je vous dis bonne préparation et dans la vie il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Ciao.